C'est une vidéo que Diane Ler pensait toute banale, et qui a pourtant inquiété nombre de ses abonnés, alors qu'elle s'était filmée en train de faire du sport en soirée en extérieur. Miss France 2022 a reçu plusieurs messages de la part de elle a tenu à leur répondre pour les rassurer. Le sport est une addiction pour Diane Ler. Miss France 2022 l'expliquait dans son portrait pour le concours de beauté et se montre régulièrement en train d'en faire en story Insta. Dans la soirée du dimanche 19 juin, la Parisienne s'est d'ailleurs une nouvelle fois filmée en pleine course à pied. Sauf que cette fois, sa séance a beaucoup fait réagir. Tu n'as pas peur en tant que femme dans la nuit, n'est-ce pas réellement dangereux de courir si tard et seule? Se sont inquiétés ses fans. Face à ses réactions, Diane Ler a livré plusieurs de ses astuces pour sortir sereinement, en story Instagram. Elle dévoile ses astuces. J'ai mal au cœur de voir qu'autant de femmes ont peur de sortir le soir, a-t-elle d'abord regretté, touchée par la crainte éprouvée par certaines de ses followers. Je préviens toujours un proche et j'ai les numéros en favoris si besoin, a-t-elle commencé par expliquer. La jeune femme, qui sera prochainement à la radio dans la bande d'un personnage médiatique très connu, a ensuite conseillé plusieurs petites applications mobiles, avant d'indiquer qu'elle avait elle-même pensé à créer ce type de logiciel quand elle était encore étudiante. Un projet qui n'avait pas séduit ses professeurs, mais dont des applications similaires existent bel et bien aujourd'hui. L'application aurait eu un système d'alarme et de géolocalisation. En 2020, encore étudiante en business administration à Lee University, Diane Ler propose un projet de fin d'année. J'avais fait un prototype des applications contre le harcèlement de rue afin de pouvoir alerter les gens autour d'un danger avec une notification et une alarme qui se déclenche avec l'envoi direct de votre géolocalisation à vos 10 contacts favoris, explique-t-elle. Une idée que d'autres ont donc développée alors qu'elle-même n'avait pas réussi à convaincre ses examinateurs. J'avais eu 12 20e car ils m'avaient dit que l'application ne serait pas rentable. J'étais dégoûtée.